Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la déco de la couverture. Ça y est, donc la première page de couverture. Donc pour cette déco, j'ai choisi cette feuille-ci. Je la trouve trop belle. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en prends deux. Et il y en a une que je vais venir découper parce que je voudrais la mettre en 3D. Voilà. Hop, donc voilà, donc je l'ai découpée. Je vais venir donc tout la vieillir, tout distresser autour. Hein, et puis vous voyez, comme ça, ça fera un petit effet la 3D. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plutôt sympa. Je vais venir ancrer les bords comme d'habitude et puis on se retrouvera après. Donc voilà, donc je suis venue donc bien vieillir mon côté. J'ai arraché, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et au milieu, je suis dû rajouter un petit bras de couleur dorée. Et derrière, donc, je suis venue mettre toutes des petites baguettes comme ça. C'est des baguettes qui me restaient comme ça, d'un projet que j'avais fait en mix média. Donc comme ça, je vais venir le coller par-dessus. Donc vous, je sais pas si à la caméra, vous vous rendez compte du 3D. Hein. Et peut-être que je lui mettrai un tout petit peu, voilà, en décalage pour vraiment donner d'un côté, pour vraiment donner un côté relief. Donc là, il me reste plus qu'à vieillir aussi ces bords là et puis ben après ça sera la déco. Donc pour la déco, j'ai pas encore trop, j'ai envie de mettre des rouages, pourquoi je ne sais pas, j'ai envie de mettre pas mal de rouages, de fleurs. On verra ça. Là, je vais déjà venir vieillir les côtés. Donc voilà, donc je suis déjà venue tout coller déjà sur ma page. J'adore le rendu. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, je suis venue le mettre en décalage parce que je vais faire, je pense, ma déco ici. Où je vais venir mettre des rouages, des fleurs. Il me reste pas mal de petites choses. Donc je pense que ça viendra comme ça. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Et voilà, voilà. On se retrouve pour la suite. Donc voilà. Donc j'ai avancé un petit peu. Bon, je ne l'ai pas fait en vidéo. Sur les chiffres et les aiguilles, je suis venue mettre ceci. Donc il y a écrit que c'est de la colle. Effet glossy. Et en fait, moi, je m'en suis servi comme un. J'ai plus le nom. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Comme une autre marque. Ça, ça vient de Chef Déco. Glossy Accents. Voilà. Donc, je m'en suis servi comme ça. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra. Donc, je vous dis, c'est sur les chiffres et les aiguilles. Alors, on voit un petit peu par moment. Vous voyez que ça brille. Ça brille, pardon. Donc voilà, donc je m'en suis servi comme ça. Donc là, je vais venir continuer à décorer. Je vais venir mettre, donc, comme j'avais dit, je pense, des rouages que je vais vieillir avec mes rustic pens. Donc je vais préparer tout ça et on se retrouvera après. Donc voilà, donc j'ai trouvé mes décos, mes rouages. Donc ça, c'est fait. Alors, en peinture, donc j'ai pris les rustic pens. Et j'ai pris un chabi velours. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Et puis bah, j'ai repris chabi velours, celui-ci. Voilà. Donc voilà les teintes. Je pense qu'elles vont quand même bien avec l'album. Donc je vais venir faire tout ça. Voilà. Donc je vais d'abord faire un rouage avec vous. Et le reste, je le ferai hors caméra.
Donc voilà un peu ce que ça va donner. Donc je vais peut-être ajouter une autre couleur. Ça me paraît un peu foncé, j'en avais un peu plus clair. Donc bon, vous avez vu un peu le principe, comment ça fonctionne. Donc je fais tout ça et puis on se retrouve après. Hop, voilà. Alors je suis trop contente, je viens de tout ranger, mon bureau. Regardez ça, bon là-bas c'est mon bras, hein. Mais là c'est mon bureau, il n'y a plus rien qui traîne, tout est propre, je suis contente. Et en plus j'ai fini la couverture de l'album, donc certaines, je sais, ne vont pas trop aimer parce que beaucoup n'aiment pas quand c'est trop chargé et moi à l'inverse j'aime bien. Autant bon, des fois j'aime bien quand c'est sobre, mais... mais des fois j'aime bien comme là il y en a un peu de partout, tout sur un côté, voilà, moi j'aime bien. Donc je vous montre ça. Hop, voilà de plus près donc mes rouages. J'espère que vous verrez bien les différentes teintes. J'ai mis des petites fleurs, il y a des feuilles, il y a des fleurs. Il y a une clé, il y a des fleurs de la collection, il y a plein de petits trucs. Il y a une clé qui est juste ici. Et puis bah, notre roue, hein, voilà. Voilà, donc ça, c'est fini. Je suis contente. Ça vient bon, voilà. Donc là, la prochaine étape, ça sera bah, voilà, la tranche, le bijou. Et puis bah après je vous ferai une présentation complète de l'album. Donc pour l'instant je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les bijoux de l'album. Bye bye, à bientôt.